Pierre Richain à l'intérieur. Oh, Anderson s'amène avec 3 secondes. Oh, quel départ de Bert Anderson. Mais attention à Paul Hewitt dans le 45. À la sortie du virage, c'est Kelly Shane et Paul Hewitt. Alors que Barber semble s'immobiliser, il a ralenti. Et Anderson est à l'extérieur, côte à côte avec Kelly Shane. Jonathan Abbott est actuellement 6e derrière Stéphane Carrier. Et là, un peu de perte de contrôle pour le 77 de Kelly Shane. Non, c'est Paul Hewitt qui est en tête dans cette finale, dans cette qualification, pardon. C'est lui qui a gagné la finale à Saint-Félicien. Et là, il s'éloigne. Alors que Jonathan Abbott est maintenant 4e avec Flying Eagle. Suivi de Paul Barber et de Dave Kidd. Ah, c'est bon au niveau du départ. Aucun pilote a devancé. Et Paul Hewitt qui s'éloigne en tête. Alors que c'est très serré entre Kelly Shane et Bert Anderson pour la deuxième. Va battre du lieu des Zero Tolerance. Et pour l'instant, Kelly Shane qui tient bon au deuxième devant Bert Anderson. Alors, on aurait cru que la last minute aurait été plus rapide. Et pour l'instant, c'est Paul Hewitt qui, comme il avait fait à Saint-Félicien, domine cette course. Alors qu'Anderson n'a pas dit son dernier mot face à Kelly Shane pour la deuxième. Là, ça prête à doubler d'un tour le 48 de Bertrand Duhaide. Et là, c'est toujours très serré pour la deuxième place entre Kelly Shane et Bert Anderson. Abbott est bon 4e, suivi de Dave Kidd et de Paul Barber. Là, il y a une fumée bleue, de quel moteur elle provient. On a vu que Stéphane Carrier a ralenti. Il a parti de la 4e. Maintenant, 7e. Et c'est toujours très serré entre Kelly Shane et Bert Anderson pour la deuxième. Dernier tour pour Paul Hewitt. On a eu une bonne bataille pour la deuxième place. Alain Véro avec The Rock. Et là, Bertrand Duhaide qui tient bon du moins pour quelques instants face à Jonathan Abbott. Deux embarcations de coq de Conception Jones. Et Kelly Shane. Encore quelques longueurs sur Bert Anderson et la last minute. Drapeau à gagner pour Paul Hewitt qui poursuit sur sa lancée. Il a commencé à Saint-Félicien, remporte la victoire. Deuxième, Kelly Shane. Troisième, Bert Anderson. Et Jonathan Abbott va finir 4e avec Flying Eagle. Suivi du Black Falcon de Dave Kidd. En 6e de la vacation de Derek Smith, piloté par Paul Barber. Alors que Bertrand Duhaide, lui, essaie de finir devant Stéphane Carrier, mais va terminer en 7e place. Voici la première qualification 5 litres, on va confirmer pour le résultat officiel. Actuellement, les épreuves seront
Deuxième vague de qualification en classe 2.5 litres.